on se retrouve dans le jardin des plantes, lui aussi très ancien. C'est le plus vieux jardin des plantes de France. Il a été fondé à la fin du XVIe siècle, sous Henri IV, par un médecin formé à Montpellier, Pierre Richet de Belval. À l'origine, jardin destiné à la culture des simples, les plantes médicinales, il est vite devenu un jardin botanique, abritant quelques 2600 espèces, dont notamment l'une des collections les plus importantes d'Europe de cactées, ou encore des arbres remarquables, parfois plusieurs fois centenaires, comme le fameux Ginkgo biloba.